La haine, c'est un sentiment effectivement central dans énormément de romans policiers et dans beaucoup de thrillers aussi, qui ne sont pas forcément policiers. Et j'avais envie de la prendre un peu à l'envers. C'est-à-dire, je voulais que le lecteur change d'avis, ou en tout cas de ressenti sur les deux personnages principaux, qui sont la victime et le criminel. Au début, un crime absolument affreux, horrible. On se dit, bon, un féminicide de plus, une femme absolument dans un état absolument affreux qui retrouve au bord d'une rivière. Et forcément, le lecteur a énormément d'empathie pour cette personne. On s'aperçoit très rapidement que c'est une véritable pourriture. La personne a vraiment un parcours professionnel abject. Et petit à petit, à un certain nombre de chapitres d'écart, on commence à voir le ressenti du meurtrier lui-même. Et ce que je voulais dans ce livre-là, c'était que le lecteur arrive à entrer en empathie avec le criminel et qu'il se dise « qu'est-ce que je ferais moi ? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place si j'avais été confronté à ce genre de choses ? Comment est-ce que moi j'aurais vécu la haine ? Qu'est-ce que la haine aurait fait en moi ? Est-ce que ce que je ressens par rapport à ce que cette personne a commis, est-ce que je trouve que c'est affreux ? Est-ce que je trouve que j'ai un petit peu de compréhension ? Est-ce que j'en ai beaucoup ? » Je voulais en fait retourner la veste du lecteur qui ne sache plus où, en fait, où il en est, quoi. Au bout du 16e roman, c'est vrai, on a envie d'essayer d'apporter quelque chose de différent. Pas forcément par rapport aux autres, ça serait extrêmement prétentieux, mais au moins par rapport à tout ce qu'on a pu écrire avant. Moi, comme c'est mon 16e bouquin, c'est vrai que j'ai déjà parcouru pas mal de criminels. Et là, j'en voulais un vraiment très différent, un avec lequel le lecteur puisse partager un certain nombre de choses. Et de par sa nature même, je peux pas en dire trop, mais de par sa nature même, ce criminel-là va forcément percuter les lecteurs. Et c'est vraiment l'effet que je recherchais. Les lieux sont très importants. J'ai situé beaucoup de mes romans dans la nature, pas tout à fait dans la nature, mais dans des endroits où il y a des villages ou des petites villes. En général, la grande ville ne m'intéresse pas spécialement. Il y a énormément de livres qui parlent d'histoires qui se passent dans les grandes cités. Et en plus, moi, je vis à la campagne. C'est vraiment pour moi un milieu naturel. Je voulais situer ce livre-là, pas forcément en huis clos, mais dans une ambiance où il y a relativement peu de personnages et où chacun a une importance qui peut faire partir les choses complètement en vrille à n'importe quel moment. Et en particulier, dans les histoires de village, il y a des racines en fait, qui remontent très loin et qui peuvent véhiculer la haine de génération en génération et se transmettre comme un virus. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu travailler dans ce livre. Les différents points de vue, c'est quelque chose qui est vital, je trouve, dans l'écriture. C'est ce qui permet de respirer. Le lecteur peut prendre conscience, appréhender un certain nombre de points de vue différents qu'il n'aurait pas forcément avec une lecture linéaire, avec les personnages toujours aux commandes, toujours les mêmes. Le fait de passer du criminel à la victime et au policier, ça donne une orientation multiple en fait, au récit. Et le fait de remonter dans le temps, en changeant le temps de narration, et bien souvent je joue de ça, c'est-à-dire que j'ai tendance à raconter le passé au présent et le présent au passé, ce qui donne une espèce de décalage en fait, mais qui explique bien au lecteur que ces choses-là, sont, même si elles sont très éloignées dans le temps, elles ont des impacts absolument majeurs dans la vie réelle aujourd'hui, supposée en tout cas, au moment de la narration de l'histoire, et que toutes ces choses-là, tous ces effets papillons en fait, au bout d'un moment, créent véritablement le drame. Par rapport à ce roman, je suis vraiment ravi de l'accueil qu'il a eu de la part du public. C'est vrai que j'ai un certain nombre de romans avec des personnages récurrents. C'est toujours plus facile, entre guillemets, d'écrire sur des personnages récurrents parce qu'on les a déjà construits, on les connaît, on sait comment un certain nombre de choses vont fonctionner avec eux. Quand on est sur un hors-série comme celui-ci, qui ne va plus être tout à fait un hors-série l'année prochaine, mais c'est encore un peu anticipé, avec des personnages qu'on ne connaît pas du tout, qui sont proches de nous parfois, parce que là, les policiers sont plutôt plus en arrière, véritablement. Les véritables personnages principaux ne sont pas policiers, la jeune Alice n'est pas policière. C'est toujours plus délicat en fait, de savoir est-ce qu'on va être crédible avec ces personnages-là, est-ce qu'on va leur faire traverser des choses qui vont intéresser les lecteurs, est-ce que cette trame qu'on leur met devant le nez va vraiment les aspirer, et c'est vraiment toute la difficulté pour moi sur le roman noir par rapport aux policiers, parce que je considère celui-ci plus comme un roman noir thriller que véritablement un policier, bien qu'il y ait des policiers dedans. C'est vraiment ce côté qui est difficile à appréhender, et je suis ravi de voir que les lecteurs aient marché dedans.